Praise the Lord. 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 Nye la pe dam na wola de pe dom nyo kle pa men veve ota. Be e ga kwa nye kle ova e pe nkumele nde ya be mia asubwe. Mia deux dit eye mia ho epe amen veve kafu kafu na epe nkoda. Nous remercions Dieu le créateur, celui qui avait sur nous, il nous a protégés. Ce matin nous sommes là pour louer, pour célébrer, pour adorer son nom. Gloire à son nom. Nye zomo nkeke ameton ne ewe le dokui o bol apome e fona fofome gane plafan do agbeda ma una yirao. Nous allons faire 3 jours de marche. Si tu l'as fait dans ta maison, que Dieu te bénisse. Si tu ne l'as pas fait, nous te fortifions de le faire. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes en face du Seigneur, je suis certain que nous possédons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dimanche, les 3 jours de marche que nous avons fait, aujourd'hui c'est l'apothéose. Pour donner l'opportunité à chacun de nous de parler avec son Créateur qui est dans les cieux. Dans le message de ce matin, nous allons le voir dans Exode. Exode, chapitre 1er, du 19e verset au 21e verset.
Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est ce que les femmes des Hébreux, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Dikelao donna pharaon bena ebrignonu mele abe egypte nyonu ene o ke bon o sese kasia vihela nava ukbola wao nto dia vila hoho ke mau onyena vihelao eye dukola jideji eye o seun. Et si vihela o von mauntila, eyata una vikede wo. Amen. Amen. De ape maunya si se gemye la petanya enye le mau wona nyena ameyo vone. Le thème de ce matin est que Dieu fait du bien à ceux qui le craignent. Allô. Maudina de Dina Meyo Fone. Ou bien je multiplie ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Meyo Vonea. Enana Udina de Di. Ceux qui le craignent, Dieu permet à ce qu'il se multiplie. Si tu crains Dieu, espère à ce que Dieu te fera du bien. Meyo Vona Mawa Mau Wana Nuenao. Ceux qui craignent Dieu, Dieu leur fera du bien. Enana Nu Djena Djinao. Dieu permet à ce que ces gens-là prospèrent. Donc, ceux qui craignent Dieu prospèrent toujours. Israël vio l'Égypte Nigbadi. Les Israélites étaient sur la terre égyptienne. To Yosef Akbenono le Égypte. Au travers la vie que Joseph avait menée sur la terre égyptienne. Joseph Foudre, le Esimo de le Voudoum Mbea, Oudre na Égypte, Ouzoukouvi. Nous savons que après que les frères l'ont mis dans le puits et l'ont sorti, ils les ont vendus aux Égyptiens en tant qu'esclaves. Et Joseph non Égypte avait Kouvi. Et Joseph a vécu en Égypte en tant qu'esclave. Bon, le maupe n'be de dôme. Le maupe de défiant où on est. Mais sois me gant. Amen. Mais selon la promesse de Dieu et la révélation que Dieu a fait à Joseph, Joseph est devenu grand. Ne maou le cliwa à tout me voir à ce tchidou-là. Amen. Si Dieu est avec toi, tu vas traverser les épreuves, les persécutions, mais tu serais victorieux. Parce que toi, Doji, elle avait nous mettons tout le connaou. On est tout là. Croyant, sois fort, sois fortifié, parce qu'il y a les épreuves, il y a les persécutions devant toi. Si tu arrives à persévérer, tu serais victorieux. Ne regarde pas ton Dieu, mais aie les yeux fixés sur ton Dieu. Celui qui t'a appelé, il faut avoir les yeux fixés sur lui. Souviens-toi de tes paroles. Lis sa parole. Prie à lui. Il ne va pas t'abandonner. Si tu traverses les épreuves, tu sortiras victorieux. Et à cause de la position que Joseph a eue en Égypte, et toi, son père, ses frères qu'il avait abandonnés sont venus résider en Égypte. Et les Israéliens se sont multipliés en abondance. Et arrivé un moment, vu à ce que le nombre de Joseph et ses frères se multipliaient, Pharaon et son peuple craignaient. Et puis la Namie Nyabe, Pharaon et Wado, alors Pharaon et Joseph Wado, plia. Mais d'avalio, Pharaon va voir, mais gâte si Israël vio pe domonio yo, et brivio pe domonio yo, on a oua, mais gâte si ota,
Le pharaon avec qui Joseph avait travaillé est parti, est décédé. Donc c'est un autre pharaon qui est venu. Donc ce pharaon ne connaissait pas les bienfaits que Joseph avait fait au peuple d'Égypte. Et pour cela, il a proposé à ce que Joseph et ses descendants soient dans la souffrance. Et au décennia, donc il y a eu un avis. Et mieux, il y en avait sage femme au décennia. Et nous, il y en a du coup, il y a eu un galop de moi. On m'a gâté de haut neo. On m'a gâté de son. Et non, mais de son quoi. On m'a gâté de vie. Et on m'a gâté son corps de vie. Et de quoi va Égypte le aussi. Et au décennia, vire la ouvre. Non, pour le vie d'Igena, Égypte. Et brevio. Israël, nous, et au et et on et Pharaon a ordonné aux sages-femmes que comme c'est les garçons qui permettent à ce qu'ils vont se marier et cela va se multiplier, donc il ne voudrait pas que le nombre de descendants de Joseph soit multiplié. Pour cela, il a ordonné aux sages-femmes: si une femme israélite va accoucher, et si c'est un garçon, au même moment qu'il ôte la vie de ce garçon. Ils ont ordonné. Mais le roi Pharaon a observé que ces ordonnances, est-ce que ces ordonnances ne sont pas en vigueur? Les mois qui passaient après l'ordonnance, ce sont les garçons que les femmes et Israélites ont accouché. Et ils ne les ont pas tués aussi. Ils ont vécu. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, ce que l'ennemi a refusé, ce sera une bénédiction pour toi. Si tu crains Dieu, si tu honores Dieu, si tu exécutes les préceptes de Dieu, et si tu ne discutes pas avec Dieu, Job a dit: qui suis-je pour discuter avec Dieu? Aujourd'hui, nous discutons avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous discutons avec Dieu dans beaucoup de choses. Par exemple, nous discutons avec Dieu dans le fait de donner nos dîmes. Et nous disons: pourquoi donner nos dîmes? Oh, si tu donnes ta dîme, tu es en train de construire dans les cieux. Et sur la terre aussi, tu es en train de construire. Les païens et ceux qui ne connaissent pas Dieu vont rentrer dedans. Et pour cela, il ne faut pas discuter avec Dieu en toutes choses. Il faut croire seulement en lui. Et si tu crois en sa parole, tu prospéreras. Amede le wobe dodo da sem amede le chifo ade le horom na fone wode pe nyaoji. Si un leader est venu chez toi, ou bien un dirigeant est venu chez toi en te disant: ce n'est pas ordonné dans la Bible de donner les dix offrandes, dis-lui tout simplement: c'est quelqu'un qui veille sur moi, c'est quelqu'un qui me protège, exécute simplement ça pour te sauver. Les Hébreux se sont multipliés. Et ce qui a permis cette multiplication, c'est la crainte de Dieu des sages-femmes. Pharaon a convoqué les sages-femmes. Et ils ont convoqué dans une réunion.
pourquoi les ordonnances que j'ai données, vous ne les exécutez pas? Et les sages-femmes ont répondu. Oh, roi. Les femmes hébreux ne sont pas comme les égyptiennes. Ne sois pas comme ceux du monde. Sois comme Dieu t'a appelé. La manière dont Dieu t'a appelé. Et il faut prendre la nature de Jésus. Si tu prends la nature de Jésus, les malheurs te changeront en bénédiction. Les difficultés vont te changer en joie. La maladie sera en guérison pour toi. La guerre sera victoire pour toi. Alléluia. Amen. Les sages-femmes ont répondu à Pharaon, les sont tellement différents. Donc, dès qu'ils sont en travail, au moment où nous avons arrivé, eux-mêmes ont déjà accouché. Bien-aimé, la crainte de Dieu, nous avons différentes sortes d'explications. Mais l'explication qui résume tout, la crainte de Dieu, c'est honorer Dieu, c'est respecter Dieu. Donner un respect à Dieu. Et écouter la parole qu'il avait prescrite. Je vais le redire. La crainte de Dieu. Nous avons différentes sortes d'explications. Mais l'explication qui résume tout. Et la crainte de Dieu, c'est de donner le respect à Dieu. L'obéissance à sa parole. Si tu respectes Dieu, tu ne vas pas gâter les choses. Tu ne vas pas pécher. Si tu obéis à sa parole, tu vas exécuter sa parole. Le fait d'exécuter la parole de Dieu constitue une bénédiction pour nous. Le fait d'être désobéissant, c'est une malédiction pour l'homme. Donc si tu respectes Dieu et si tu obéis à sa parole et tu le crains, si tu l'appelles dans les difficultés, dans l'amertume, il va te répondre. Il va permettre à ce que tu te multiplies. La Bible nous fait savoir, au moment où les sages-femmes ont craigné Dieu, Dieu a permis que les Hébreux se sont multipliés. Les sages-femmes eux-mêmes se sont multipliés aussi. Ils ont eu de l'avancement. Les Israéliens se sont déjà multipliés. Mais les sages-femmes, la Bible nous a fait savoir, si vous vont à Maouta, au moment où ils craignaient Dieu, ils craignaient Dieu, les sages-femmes craignaient Dieu, si tu crains Dieu, tu ne vas pas t'écouter toi-même. Tu ne vas pas t'écouter toi-même. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas écouter ton cœur. Ce que mon cœur dit, c'est ça. Ce que j'ai ressenti dans mes pensées, c'est ça. Bien aimé, nous avons de travail. Si tu racontes un chrétien et vous avez discuté, tu vas te dire, est-ce que celui-ci aussi est un chrétien? La chrétienté, le fait d'être chrétien, c'est de donner le respect à Dieu au travers de l'obéissance à sa parole. Comme Abraham, il a obéi à Dieu. Il a obéi Dieu jusqu'à il a donné en sacrifice son enfant. Il faudra que nous obéissions Dieu.
C'est en cela que nous sommes des chrétiens. Si tu écoutes Dieu, Dieu va permettre à ce que tu prospères. Dieu a permis à ce que les sages-femmes ont prospéré. Les sages-femmes ont prospéré. Elles n'ont pas écouté Pharaon. À cause des mauvaises choses que Pharaon a proposées, les sages-femmes n'ont pas l'écouté. Cela ne signifie pas que les sages-femmes se sont rebellées contre Pharaon. Ce que la personne t'ordonne à faire, et si tu vois que c'est une mauvaise chose, tu peux refuser. Parce que la chose n'est pas comparable à la parole de Dieu. Bien-aimé, suivons Dieu. Craignons Dieu. Permettons à ce que nous vivons comme des chrétiens. Donnons le respect à Dieu. Le fait de le respecter a-t-il la bénédiction sur la vie de l'homme? A-t-il la vie sur l'homme? Donne la paix à la maison de l'homme. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Sukubi forma où? Élève, crains Dieu. Et nous, le son de paix forma où? Femme au foyer, crains Dieu. Outre le son de paix avec Tana pour mener forma où? Homme en tant que chef de famille, crains Dieu. Et apprenti, donc là, forma où? Apprenti, crains Dieu. Et ni toi mais non, mais ici où? Et les vieux auto, et tu peux dire faut na c'est mon cano gogolombe. La fois dernière, le pasteur était allé à l'école pour chercher son enfant. Arrivé, il a vu deux jeunes filles se discutaient entre elles. Et une disait à l'autre, si tu retournes vite à la maison, la maman ou bien le papa va dire pourquoi tu es revenu si tôt. Et si tu retournes, pourquoi tu es revenu si tard. Pour cela, elle a dit à sa seconde, je vais me promener avant d'aller à la maison. C'est pourquoi tu vas voir, si l'enfant étudie à l'école, elle va se retrouver à Nyekonakwe, se promener avant de revenir. Enfant, crée Dieu. Les sages femmes craignaient Dieu. Pour cela, ils se sont multipliés. Dieu a permis qu'ils se sont prospérés. Toi aussi, crains Dieu pour toi-même. Crains Dieu. Ne crains pas Dieu. Ne crains pas une personne et tu pèches contre Dieu. Celui qui va à Dieu. Celui qui va te bénir, celui qui va permettre à ce que tu prospères, celui qui va te sauver de la stérilité, celui qui va te sauver de l'infécondité, c'est Dieu. Crains-le, ce n'est pas une personne qui va imposer sa main sur toi afin que tu enfantes. Non, c'est Dieu qui le fait. Crains Dieu, il va te sortir de la maladie, il va te sortir de ta stérilité. Crains Dieu, en fait, la prière que tu vas faire ce matin, que Dieu l'exécute pour toi. Amen. Puissant guerrier, oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. Dans les combats,
prie à Dieu, le Dieu des créateurs, prie à lui. Crie au Dieu des cieux. Dis-lui, tu es celui qui me conduit. Tu es mon rocher. Tu es mon victoire, mon victorieux. Tu es mon maître. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es ma victoire. Pour cela, étant ta mère sur moi. Étant ta mère sur moi. Étant ta mère sur moi. Étant ta mère sur ma famille. Envoie ta mère sur mes enfants. Étant ta mère sur mon activité, sur mon commerce. Étant ta mère sur ma finance. Mes finances. Étends ta main, envoie ta main. Oh, c'est toi, Dogoda. Chrétien, prie. Dogoda, là, tu peux vraiment. Croyez, prie au Dieu des cieux. Dogoda, là, tu peux vraiment. Prie au Dieu des cieux. Kabalaba sandaraba. Lingmaraba sandariaba sandaraba. Kabalaba sakata landariaba sandaraba. Landaraba sakata landaraba sandaraba.
que les projets malsains que l'ennemi a planifié contre nous vers cette année, que Jésus détruise ces projets, que Jésus sauve l'église concernant les accidents, concernant les dangers, concernant les maladies, concernant les bestes.
Que les miracles se produisent dans ma vie. Que les prodiges se produisent dans ma vie. Et après cette prière, dis-lui encore, bénis ton église, bénis l'église, bénis l'église. C'est moi qui constitue l'église. Bénis l'église. Fais des miracles dans ma vie. Opère des miracles dans ma maison. Opère des miracles dans ma famille. Et bénis l'église. Dans les finances. Dans la santé. Bénis l'église. Élève ton église. Fais du bien à ton église. Jesus. Kamarabas and Narama. When Doug Bedade Taube Nusi Nebiala Nevama now. Je prie pour toi afin que ce que tu as demandé ta vie. When Doug Bedabe Wok Bedodora Nevama now. Je prie à ce que tes prières s'exaucent. When Doug Bedabe Wok Bedodora Nevama now. Je prie à ce que tes promesses s'exaucent. Mais plein de siens de futon à dos de moula. Les malheurs que l'ennemi a projetés contre toi. L'Éternel le change en bénédiction. Que la mort soit la vie pour toi. Que la mort soit la vie pour toi. Que les maladies se changent en santé pour toi. Que les malédictions se changent en bénédiction. Les trous que l'ennemi a creusé devant toi. Les trous que l'ennemi a creusé devant toi. Et afin que toi et ta famille vous y entrez dedans, vous ne serez pas entrés. Vous serez des victorieux. Père Céleste, nous te remercions. Ce que nous t'avons demandé, tu l'as fait à ton église. Soutiens ton église. Oins ton église. Bénis ton église. Donne la victoire à ton église. Multiplie ton église. Afin que la gloire soit pour toi. Nous te bénissons. Parce que cela s'est concrétisé. Amen. Disons Jésus merci. Amen. Amen. Apprêtons-nous. Et apportons nos dîmes. Nos offrandes. Nos remerciements. Et apportons devant la face de Dieu. Que le groupe musical nous accompagne dedans. Amen. Amen. Ava fia Christo mia do wo deji wenye fia tanenye vava Ava fia Christo mia do wo deji wenye fia tanenye Alleluia ji du du la bodane oye peka benu bulu o koma vana mela nuti papa wenye fia tanenye Say, do, 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 do
Levons-nous s'il vous plaît. Le cas de Timo Tolemo, Miedakono, Hamia Fak Beta, Miedakono, Sofoklofa Fak Beta, Azon, Miagatrozo la fille, Yakotolim, le Wonkuma, Miedaman, Veve, Kaklo, Honama Fasi, le Mia Fak Beti, Benano Klimi, Alaba Kosi, Hanagan Nemel, le Muchifa Farmer, Bobu Kafuna Nieto, Miedakono, Miedo Encourage, le Yesu Fankome. Amen. Nepu, what to me? Naya want to me, oh, me a for the ya, a oh, naya want to me, oh, naya want to me, oh, me a for the ya, a bien aimé, recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de paix lui dit bien. À cause de la manière dont il est Dieu. Qu'il te multiplie. Que les malheurs changent en bénédiction. Que sa paix soit ton partage. Je te bénis ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.